Hello! Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, dans les Jedi de la formation, on reçoit Sam. Salut Sam. Mister Sam. Bien le bonsoir, comment ça va bien? Super, on est content de te recevoir. Ouais. En plus, c'est un thème qui nous passionne. Oui. Tout ce qui tourne autour de l'informatique, moi ça me passionne, incroyable, depuis tout petit aussi. Du coup... Le thème de cette interview et du partage qui va être fait par Sam, c'est l'informatique et les sites web de manière générale. Ouais. Et puis, on va, comme vous ne connaissez pas forcément Sam, bah c'est peut-être le moment qu'il nous parle un peu de lui, nous dise qui il est, qui est Sam. Le mystère plein. Je vais dire ce que j'ai traversé durant ces années, oui. Écoutez, c'est simple. Hein, j'ai commencé à 8 ans avec un petit ordinateur que mes parents m'ont offert. Je l'ai mis en panne dès le lendemain. Voilà, il ne fonctionnait plus. Donc ça, c'était déjà très marrant. C'était une super anecdote pour me dire, vas-y, commence, bricole. Et puis, au fur et à mesure, j'ai appris. C'était vraiment une passion. Donc voilà, ça a commencé avec de la maintenance et puis ça a un peu dérivé sur la photo. Et après, j'ai commencé mon premier site internet à 12 ans. Oui, à 12 ans. C'était un projet avec l'école avec lequel il fallait présenter un petit projet tout simple sur les hélices des avions. Alors, voilà, c'était un sujet qui me passionnait également. Et j'avais travaillé il y a vraiment très très longtemps. Attention, Nicolas, tu vas avoir des frissons, mais je travaillais sur Frontpage. Alors, je ne sais pas si tu connais ça ou si vous connaissez. Ah, si, ouais, j'ai bien connu cet outil-là. Voilà, donc j'ai même connu les anciennes de Frontpage quand il n'y avait pas Frontpage, où on faisait tout à la main à l'éditeur de texte avec des Emacs ou des VI. D'accord. Les premières pages HTML faites avec... Voilà. Oh, il n'y avait même pas... Moi j'ai connu l'Internet où il n'y avait même pas encore d'image. Ah oui, d'accord. OK. Les premières balises de texte et les images sont arrivées peu de temps après. Voilà. D'accord. Eh bien, comme quoi... Voilà, donc Frontpage, après ça a avancé, j'ai bercé dans la vidéo, dans la photo, et puis je me suis, on va dire, un petit peu lancé dans tous ces domaines-là, et puis aujourd'hui, je suis administrateur serveur, donc au sein d'une association, et en même temps, je fais donc des vidéos, pour ceux qui connaissent maintenant peut-être ma chaîne, ou ceux qui sont là, j'espère, hein, ce soir. J'ai lancé une chaîne avec laquelle je donne des formations sur... Merci beaucoup. Merci beaucoup. On mettra le lien tout à l'heure, mais on va mettre le lien de la page pour que vous puissiez vous abonner pour suivre l'actualité de Sam. Ouais. Merci beaucoup. Et donc les vidéos sur des formations, notamment dans l'informatique, et aussi, bien sûr, aujourd'hui, comme le thème l'indique, construction de sites Internet avec un petit utilitaire que tout le monde va sûrement apprécier. Et vous allez voir qu'en 10 minutes, on peut faire de belles choses. Mais vraiment, en 10 minutes. Voilà. En 10 minutes. Il y a plein de gens qui viennent de nous rejoindre là, pour nos auditeurs. Là, si vous pouviez mettre un petit commentaire, faire un petit coucou, nous dire bonjour. Et puis... Ils vont tous avoir peur. Pardon. C'est ça. Ils vont tous avoir peur. Ils vont dire, oh, en 10 minutes, on peut faire un site Internet. Eh bien oui. On peut faire. Ouais, on va faire un site en 10 minutes. Ouais. Ça, c'est un peu l'objectif. Alors bon, 10 minutes, c'est peut-être un peu short, mais en tout cas, on va essayer de rendre le truc assez facile d'accès. Oui. Tu nous as préparé une petite démo, il paraît. Je te partage l'écran. Non. Alors là, vraiment, non. C'est le fruit du travail. C'est le fruit du travail de faire ça, pas du matin au soir, mais régulièrement. Donc forcément, on connaît un petit peu les rouages du métier et voilà, soit on est bon, soit on est bon. Ouais, il n'y a pas le choix en fait.
Voilà, on n'a pas le choix. Voilà, par contre, s'il y a un bug, je m'efface. Hein. Voilà, je déconnecte, ouais, je pars c'est à New York. C'est toujours l'effet démo, en fait. Tu sais, même les grands comme Steve Jobs avaient des bugs ou des crashs au moment où ils faisaient la présentation. Ou... C'est vrai. Comment il est gentil avec toi. Donc, le fameux normal, écran bleu. L'effet démo. Allez, je te partage l'écran. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous montrer? C'était quoi le... Alors là, je vais vous montrer donc un environnement. Alors, bien sûr, hein, je travaille sur Mac, mais on peut travailler également sur Windows, sur PC, sur Linux également. Là, tout simplement, je vais faire une installation en local, donc sur mon ordinateur. Je vais faire un site Internet. Oui, on peut faire un site Internet sur notre propre ordinateur. Et on peut accéder à distance, donc d'un téléphone portable, etc. On peut accéder à distance. Mais ça, c'est une autre paire de manches et on ne va pas regarder ça dans cette formation. Là, vraiment, j'ai envie de vous montrer comment on peut créer un site Internet rapidement sur un ordinateur. Alors, je ne vais pas faire de pub éventuellement sur cette marque, mais bon, c'est pour vous dire quand même, il existe un simulateur, on va dire un simulateur qui va vous simuler comme si vous avez Internet dans votre PC. Vous installez ça, c'est gratuit, hein, bien sûr. Bon, y a une version qui est payante, mais elle n'est pas nécessaire. C'est surtout quand vous avez terminé votre site Internet, hop, vous avez un petit bouton et hop, ça vous met carrément sur un hébergeur qui se trouve donc sur Internet. Si jamais il y a des questions, si jamais je vais trop loin ou je parle en chinois, il ne faut pas arrêter. Enfin, il faut. Non, si, il faut m'arrêter. Ça tombe bien, parce qu'on a déjà la première question. Ok. Donc, ça, en fait, Le site que tu nous montrais, local, ça te permet d'aller tester ton site web sur une version comme s'il était sur Internet, mais sans qu'il soit sur Internet. C'est bien. Donc, ça. En fait, il va rester sur ton ordinateur. Tu vérifies avant de le balancer, en fait. Ouais, c'est ça. Avant c'est que bien tout ça. Voie, OK. Avant que tout le monde voie les erreurs. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est une stratégie aussi. Hein. Microsoft utilise cette stratégie. Il balance tout de suite en prod. Tout le monde voit et c'est les bugs qui sont remontés par les utilisateurs et ils corrigent à la volée. Et oui. Et ça fait mal parfois. Voilà. Donc, je vais passer un petit peu l'installation du programme. Hein. Je l'ai déjà installé. Ça risquerait d'un petit peu de durer. Mais bon, voilà. On le sait. C'est cette interface-là. Vous arrivez directement là-dessus. Et on va créer un site, mais vraiment de zéro. Mais vraiment de zéro. Hein. On part vraiment de base. Et vous allez voir que c'est ultra simple. Et il ne faut pas arrêter. Enfin, il faut. Pourquoi il ne faut pas m'arrêter? Je ne sais pas pourquoi. Il faut m'arrêter si vraiment c'est super compliqué. Alors, bien sûr, j'ai 10 minutes, donc ça va être relativement rapide. Je pense que Céline et Nico, vous allez mettre cette vidéo plus tard à disposition des personnes ou pas du tout? Oui, voilà. Ouais, donc, si jamais live... c'est trop rapide, là, on est. En live, il y a le replay. C'est fini. Donc après, les gens vont avoir accès. On est, ils auront accès à sur notre chaîne ou sur notre page web, ils pourront y avoir accès à nouveau. Ils pourront venir te mettre en pause. Ouais, ils pourront te mettre voilà, en pause, c'est justement ça en fait. Comme c'est 10 minutes, hein, ça va vite, c'est pas millimétré, etc. Donc c'est vraiment, ça sera du pur live. Hein. S'il y a un bug, je vais le résoudre devant vous. Hein. Donc c'est. J'espère qu'il y a des bugs. J'espère qu'il y a des bugs. Bon, allez. Pour info, le mot bug, en fait, c'est une petite bête. Hein, et ça vient des cartes cartonnées. Les petites bêtes venaient manger les cartes cartonnées et ça changeait les programmes comme ça, en fait. Et du coup, quand ils faisaient la chasse aux bugs, c'était la chasse aux insectes, en fait. Ok. Ah bah, tu vois, j'apprends quelque chose. Je suis passé juste au travers des cartes cartonnées, mais je ne suis pas loin de les avoir utilisées. Ok. Là, je suis en train de transpirer. Le coup d'éponge, là, sur... Allez, vas-y, montre-nous. Allez. Bon, allez, on va créer un nouveau site. Voilà. Donc, petite information, ce logiciel, même s'il est gratuit, il est seulement en anglais. Donc, désolé pour ceux qui ne parlent que français, mais vous allez voir, c'est tellement simple. Create a new site. Créer un nouveau site. Create from a blueprint, créer à partir de quelque chose. Non, on n'a pas besoin. Aujourd'hui, on est vraiment là. Le thème, c'est créer un nouveau site. Donc voilà, create a new site. Je peux t'en bouton... juste deux secondes. Oui, bien sûr. Juste pour notre auditoire, est-ce que tu peux mettre en grand sur ton écran, en fait, qu'on puisse bien lire? Alors, je crois que là, c'est super. Je crois que la résolution ne va pas bouger.
Alors, du coup, je vais augmenter la résolution. Je vais augmenter la résolution qui permet donc d'avoir... Alors, c'est bien parce que j'ai installé la dernière version de Mac hier. Donc, j'apprends au fur et à mesure. Donc, c'est bien. Parfait. Ah, voilà, c'est bon. J'ai trouvé. Afficher toutes les résolutions. En théorie, maintenant, ça devrait peut-être être mieux. Ouais, je pense. Non. Après... Je vais peut-être encore agrandir un peu, mais là, vous. Ouais, c'est pas mal. Ouais, hein. Je pense que ça devrait être pas mal. Dites-nous, ceux qui nous regardent là, si vous arrivez à lire l'écran, en fait. Mettez-nous oui, on arrive à lire ou non en commentaire. Ok, allez, je continue. Donc, create a new seat, donc c'est le petit, la petite case qui se trouve à gauche. J'appuie sur continue. Voilà. Là, on va nous demander c'est quoi le nom du site. Alors, du coup, on va faire bouge ta formation. Hein, voilà. Avec quelques options, mais ça, on n'est pas obligé de savoir pour l'instant. Les options, c'est uniquement qui vous dit voilà, pour arriver sur ce site qui est dans ton ordinateur, il faudra taper l'adresse ici. Et il se trouve physiquement sur ton ordinateur par là. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment simple. Ne faites vraiment pas du tout attention à ça. Mais bon. Il fallait que je le dise quand même. Je continue. Alors, on laisse notre environnement. Alors, l'environnement, c'est là où votre site Internet, donc WordPress, puisque c'est avec WordPress que je vais travailler, il a besoin, bien sûr, d'un moteur. Donc, comme une voiture pour avancer, elle a besoin d'un moteur. Donc, par là, on a certains moteurs, certaines versions, et on peut personnaliser ça. Moi, je vous conseille de laisser tout par défaut. C'est suffisant. Donc là, on clique sur Preferred, l'icône qui est sur à gauche, et je clique sur Continue. Là, on nous demande un nom d'utilisateur, bien sûr, parce qu'il faut savoir qu'un site Internet, alors une fois qu'il est en ligne, hein, bien sûr, et pas sur votre ordinateur, mais que vous soyez au Canada ou que vous soyez au Brésil ou alors à Tokyo, j'aimerais bien voyager comme ça, hein, au passage, vous pouvez modifier votre site Internet. Vous pouvez également rajouter des photos, des vidéos, rajouter un blog, etc. Enfin, voilà. Donc, vraiment, WordPress a l'avantage, c'est que vous pouvez travailler ce site de n'importe où, même sur votre PC ou sur un PC d'un ami à vous ou quoi que ce soit, vous pouvez travailler à distance. Donc là, je vais mettre juste un nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, bon, je vais mettre, Nico, voilà. Et comme pas de soir, je vais mettre Céline, voilà. Et comme adresse email, on devrait s'en souvenir. Ouais. On devrait s'en souvenir, normalement, on ne sait jamais. On a des options supplémentaires. Est-ce que c'est un multisite? Alors, bien sûr, quand vous faites un site Internet, généralement, bah, pour ceux qui nous voient, en tous les cas, ce soir, généralement, c'est toujours une personne ou un site seulement qui est vraiment dédié pour ça. Là, on n'a pas besoin d'un multisite. En tous les cas, pour notre exemple de ce soir. Voilà. Donc, je le rajoute. Là, je le laisse mouliner. Donc là, voilà. C'est le seul moment où je vais faire ça. C'est le moment d'aller boire un café. Enfin, mode passe. Alors, donc, pas du tout... Étoile. Non, c'est bulle. Ah, plusieurs bulles. Voilà. Donc ici, j'ai mon site Internet. Donc voilà, bouge ta formation. Il nous propose d'aller sur le dossier donc de l'ordinateur, physiquement sur l'ordinateur. N'y allez pas, hein, ça ne sert à rien. Open Site Shell, alors là, encore moins, d'accord. Nous, on va vraiment à l'essentiel. On veut aller... Là, c'est vraiment des options d'experts, en fait. Hein. Ouais, voilà. Donc, vraiment, back. Alors, on a parlé de back plus 5. Là, c'est back plus 1, plus. Donc, mais je vous invite quand même à regarder, puisque il faut savoir que vous êtes en local. Donc, vous ne cassez absolument rien et vous ne pouvez que apprendre. Donc, voilà. Donc, c'est la petite parole que je voulais dire. Voilà, c'est tout. Donc, on a deux boutons ici à droite. On a WP Admin et Open Site. Alors, WP Admin, vous allez rentrer dans l'arrière-boutique de votre site. Donc, c'est là où vous allez faire toutes les modifications. Et on a Open Site, c'est pour voir à quoi ressemble le site maintenant. Donc, on va le voir, hein, Open Site, voilà. Et ben voilà, c'est tout. Oh, donc, un Hello World. Ah, ça parle, on dirait. Donc voilà, donc on a un Hello World, ouais, avec l'accent et tout, attention. Welcome to WordPress, etc. Donc, c'est vraiment un simple petit article, voilà, on a vraiment pas besoin de plus. C'est vraiment le démarrage. Mais on va aller plus loin, nous, on va aller dans la partie administration. Donc je clique ici et il va me ramener jusqu'à. Pardon ?
L'arrière-boutique, c'est, oui, voilà, l'arrière-boutique, c'est là où on va regarder, voilà, l'arrière-boutique. C'est ça. Donc, il y avait une option, mais je ne l'ai pas. Ah, voilà, c'est ici. On a une petite option bien sympathique, One Click Admin. C'est quand on clique dessus, on peut, en cliquant de nouveau sur WP Admin, rentrer directement dans l'arrière-boutique et ne plus se souvenir du login et mot de passe. Voilà. Bon, après, chacun est libre de faire comme il le veut. On peut le voir également. Céline, donc, Oui, ouais, c'est possible. Mais il y a des gens qui sont un petit peu frileux, qui n'ont pas envie de répéter le login et mot de passe. C'est pour ça que je donnais cette petite option supplémentaire. Alors, on va continuer là-dessus. On voit en premier, c'est en anglais. Alors, pas de panique, hein, pas de panique. L'arrière-boutique de WordPress vous permet de le changer directement en français. C'est une chose que l'on va faire tout de suite. On va aller sur Tools, ou Tools qui veut dire un outil en anglais. Non, pardon. C'est bon, qui est visible. Settings. Oui, voilà. Bon, allez, je sors. Alors, c'est général. Et là, vous avez toutes les options de votre site Internet. Donc ici, on voit un site langage. Je vais le changer à la place de English. Je vais le passer en français. Ici, voilà, français. Alors, français de Belgique, français du Canada, je n'ai jamais testé. Mais à mon avis, ça doit être pareil. Je clique sur Save Change et vous allez voir, bam, en quelques secondes, tout est transformé en français. Waouh ! Alors là, vous allez me dire, waouh, c'est super bon. Mais non, en fait, on est qu'au début. Ah, il me reste combien, en fait, déjà la traduction française est peut-être meilleure qu'avec un Google Translate ou… le plugin sur Chrome là, qui traduit sans arrêt, ouais, là, c'est les ça. Trucs automatiquement. C'est ça. C'est ça. Mais là, on parle vraiment de l'arrière-boutique de votre site. Donc, ça veut dire qu'on ne parle même pas du contenu de ce qui va s'afficher devant, hein, puisque vous pouvez laisser votre WordPress en anglais et puis faire tout le contenu en français. Après, maintenant, il y a des gens qui sont très à l'aise avec une langue ou l'autre. Voilà. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment pour changer sur l'arrière-boutique. Ici, donc, on a le titre du site, c'est « Bouge ta formation ». Alors, on va mettre un F en majuscule pour la formation. Et le slogan, c'est… Ah, vous avez un slogan, Sudam? Ah. Un slogan, oh, on a le « Transforme ton expertise en formation qui cartonne », il est peut-être un peu grand. Allez, sinon, c'est « Partage ton expertise ». Partage ton expertise. Partage ton expertise. Voilà. Donc là, c'est le petit slogan qui va être répété. Vous allez voir, hein, si je fais un petit « Enregistrer les modifications » en bas de la page. Si je vais voir mon site internet, « Bouge ta formation », normalement, quelque part, non, ce n'est pas ce que je suis sur Mac, mais normalement, tout en haut, on doit voir un petit onglet avec justement le petit slogan qu'on a vu tout à l'heure, que tu m'as donné, tout simplement. Voilà. Okay. Donc, partage ton expertise. Ici, donc, vous mettez votre site Internet. Donc là, ici, en l'occurrence, bien sûr, comme c'est sur mon ordinateur, c'est une adresse un peu bizarre, hein, puisqu'on envoie un point local, ça n'existe pas sur Internet. Mais ici, c'est là où on va changer .fr ou .eu ou .be, etc. Enfin, bref, c'est là où on va donner l'extension. Alors là, je vais remettre en local, sinon ça ne fonctionnera plus. Et ici, très important, mais vraiment très important, monsieur, dame qui nous regarde ce soir, mettez quand même votre adresse email d'administration. C'est là où vous allez vraiment recevoir toutes les informations. Si vous mettez un formulaire de contact, si vous mettez ne serait-ce que un petit newsletter quelque part dans votre page web, c'est sur cette adresse que l'on va rentrer et qui va être du coup touché pour recevoir tout. Donc, bon, là, je suis en local, je suis en démonstration, je ne vais pas le changer, hein, ça ne sert strictement à rien. Mais voilà. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer sur ce qui concerne vraiment la base de WordPress, c'est-à-dire les pages. Alors ici, sur WordPress, ici, j'en ai déjà deux. J'ai un petit défaut, c'est que je supprime tout pour recommencer tout à zéro. Et je vous invite, vous, monsieur, dame, qui nous regardez ce soir, ou demain matin, ou dans la nuit peut-être, de faire exactement la même chose. Et c'est comme ça que l'on apprend. Voilà. Et pourquoi tu fais ça au départ également? Alors, pourquoi? Parce que j'aimerais bien toujours rentrer dans une base de données neuve, propre. Parce que WordPress, par défaut, met beaucoup d'exemples. Et ce sont des exemples alors qui peut-être vous aider. Mais au final, vous allez vous entêter sur certains bugs. Alors, quand je dis bugs, hein, c'est bien sûr quelques,
quelques. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourtant, j'ai fait le code, pourtant ça marchait bien, j'ai bien mis la case là où il faut. Et en fait, derrière, WordPress avait déjà pré-paramétré quelque chose. Et ça, vous ne l'avez pas vu. Et alors là, du coup, vous vous arrachez les cheveux, vous voyez le résultat, ce que ça donne. Ouais, voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que je supprime vraiment tous les articles et toutes les pages pour vraiment commencer à zéro. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va apprendre, nous tous. Donc là, je vais mettre à la corbeille aussi les articles. Voilà. Donc là, je suis vraiment dans une base de données qui est toute neuve. Je n'ai pas de page, je n'ai pas d'article. Donc, c'est le menu qui se trouve sur la gauche. Voilà, je peux commencer. Alors, maintenant, j'ai un petit défaut. C'est quoi la différence entre page et article? C'est quoi la différence? Alors, un article, je ne sais pas si monsieur et madame, tout le monde ici a déjà entendu parler des blogs. Ça a été à un moment donné une fureur, les blogs. On peut rajouter des articles sur « Ah là là, aujourd'hui, la hausse des prix sur les téléphones portables. » Voilà, donc ça, c'est un article. Ce n'est pas quelque chose qui est fixe, que tu vas garder tous les jours. D'accord. Je m'explique. Peut-être un peu mieux. Quand tu vas sur un site internet, n'importe lequel, tu vois des pages fixes, d'accord ? Tu vois normalement, généralement, le logo de la société, le menu, après en dessous, normalement, une belle image avec un petit slogan à l'intérieur, et puis après, tout le détail en dessous. Et à un moment donné, dans la page, s'il est bien fait, bien sûr, pour le référencement, ça, c'est une chose très importante, et je dois pas en parler vraiment à la fin, mais vraiment une 30 secondes, sachant que je pense que j'ai déjà explosé les 10 minutes. Désolé. Non, mais ça, c'est notre faute, on pose plein de questions, en fait. Mais c'est pas grave. Et donc, du coup, dans la page donc, que vous allez créer pour l'accueil, vous devez normalement insérer quelques petits articles, des articles qui doivent être régulièrement mis à jour. Pourquoi ? Parce que les robots de Google regardent, fouillent un peu votre site tous les jours et ils voient « Ah tiens, il y a du contenu », donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit remonter au fur et à mesure. Ben voilà, je crois que j'ai déjà donné la petite astuce du référencement, mais c'est comme ça. Donc, vraiment la différence entre article et page. Page, ça reste fixe et article, ça bouge régulièrement. Voilà, on met des articles, on met par exemple des recettes. Voilà, si tu veux faire un site internet, si tu veux faire une belle présentation, ben c'est une page. Et à l'intérieur, si tu veux rajouter, ce sont des recettes. Voilà, tout simplement. Bah, je ne sais pas si j'ai été explicite, je ne sais pas si vous avez compris. Dites-nous dans les commentaires. Si vous avez compris, ah, on a un super commentaire sur YouTube. Merci. Ouais, je l'ai bloqué. c'est que ça marche. Moi, j'ai vu le commentaire. Ça reste des gens. Ça, c'est bien. Donc, et la force aussi de WordPress également, c'est que vous pouvez insérer plusieurs extensions. Alors là, vous allez me dire, mais à quoi ça sert les extensions? Ben, c'est un peu comme une voiture. Quand on achète une voiture, alors je dis l'exemple de la voiture parce que je pense que c'est. Normalement, ça devrait être tout le monde qui devrait être concerné. Mais quand vous achetez une voiture, généralement, vous n'allez pas juste vous contenter de le volant, le siège, quatre roues et c'est tout. Non, on aimerait bien aujourd'hui avoir un confort, même s'il ne fait pas 37 degrés dehors tous les jours, on aimerait bien avoir une petite climatisation parce qu'on sait que des fois, on a un canular, mais non, c'est, on a le... La, canicule oh, canicule. Merci Céline. Et donc du coup, il fait super chaud pendant 5 ou 6 jours et on est super content d'avoir la clim. Ben, c'est un peu le même principe. Vous avez WordPress, c'est la voiture de base, et après, on peut insérer des extensions qui permettent justement d'améliorer votre site internet. Alors moi, j'ai un petit défaut, c'est que je... Là, tu as des extensions Céline, par défaut que tu installes. C'est quoi les extensions que toi, tu aimes bien installer? Alors, les extensions que j'installe par défaut, c'est généralement Elementor. Pourquoi Elementor? Alors, Elementor, c'est quoi? C'est un constructeur de site. Si vous commencez WordPress, alors ils l'ont amélioré au fur et à mesure du temps, hein, bien sûr. WordPress n'a pas. Je ne sais même pas combien de temps à WordPress, pour info. Je ne sais pas combien d'années à WordPress. Oui, c'est très vieux. C'est très vieux. 2003 ou 2004, peut-être. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Salut Christine. Bien joué. Salut Christine. Bien joué. Regarde ta Christine. Bravo. Qui vient te regarder. Bonsoir Christine. WordPress s'est amélioré au fur et à mesure avec le temps pour la rédaction de pages, d'articles, etc. Sauf que il y a toujours ce degré de complication d'aller chercher
un petit add-on quelque part, à droite et à gauche, etc. Et finalement, on est perdu, c'est trop submergé et on n'arrive plus. Donc, Elementor, vraiment, va aider à construire un site Internet. Et ah bah oui, Christine le confirme en plus, Elementor. Merci Christine, bienvenue au club d'Elementor. Je fais la carte VIP, si vous voulez. Et Tu parraines aussi, il y a des choses à gagner ou pas? Ouais, mais nous on utilise Divi à la place. Ah, non, je rigole. Après, c'est un choix. Voilà, il y a des gens qui préfèrent rouler en diesel, d'autres en essence. Il y a des gens qui préfèrent être sur Elementor, d'autres sur Divi. Je me suis spécialisé dans Elementor. Je pense que Nico, tu t'es spécialisé également dans Divi, ou alors tu as été plus attiré dans Divi parce qu'il y a certaines choses. Parce que je suppose que tu as dû faire, en tant que bon geek… Je retouche la moitié du pad qui est généré. Donc Ah oui, ok. Ah, respect, robustesse. Hein. Donc, Elementor. Pour les gens, parce que je parle et je fais au fur et à mesure. Donc, les extensions, on les voit sur le côté gauche, dans la barre de gauche. On clique sur extension, sur ajouter, et à partir de là, on nous propose un max d'extensions. Donc là, on va sur en haut à droite, dans extension, et on tape Elementor. Voilà, Elementor, ça mouline. Et normalement, on peut trouver en tout premier Elementor Website Builder. N'ayez pas peur, les gens que vous regardez, Elementor est aussi en français. Il y a certains mots qui ne sont pas traduits, mais aucune panique. Généralement, on arrive à comprendre. Et quand vous ne comprenez pas, généralement, vous pouvez faire un copier-coller sur Google Translate. Ça fonctionne. Donc, on clique sur « Installer maintenant ». Donc là, la roue, elle mouline encore une fois. Et chose importante, et aussi grâce à mes cheveux que je n'ai plus, il y a ce fameux bouton activé. Donc, le commun des mortels, quand on installe quelque chose, généralement, on sait, c'est bon, on peut commencer, sauf qu'on ne le trouve pas. Et bien, pourquoi? Parce qu'on ne clique pas sur activer. Donc là, très important, monsieur, madame, cliquez sur activer. Donc, on attend un petit peu, normalement, c'est bon. Et là, Elementor... Tout comme WordPress, parce qu'Elementor, quand il a commencé, il n'avait pas ce genre de petits assistants. Aujourd'hui, Elementor est vraiment rentré dans la cour des grands, vous propose de créer un compte carrément chez eux, même d'être hébergé chez eux, chose que je ne vous conseille pas, mais on peut parler de ça par la suite. Là, tout simplement, alors pour la démonstration de ce soir, je vais cliquer sur passer. Ça, c'est pas assez simple. Ah, c'est très simple. Hein. C'est très simple. Et voilà, on est sur notre premier article. On va sortir tout de suite parce qu'on n'a pas forcément besoin de ça. Donc, on va quitter tout de suite, appliquer, quitter la page. Voilà. Donc, on rentre. Alors, je reviens de nouveau. Alors, pour revenir toujours au menu principal, on clique sur le W qui se trouve en haut à gauche. On clique dessus et là, on rentre de nouveau dans notre fameux... derrière boutique. Voilà. Donc, comme maintenant vous me connaissez peut-être un peu, je resélectionne tout, je remets tout à la corbeille parce qu'entre-temps, Elementor a créé quelques petites pages. Voilà. Donc là, vraiment, on repart à zéro. On a Elementor qui est installé sur notre page et là, on va commencer à donner notre première page accueil, hein, comme tout site. Mais Internet, en fait, tout est bien paramétré. Qu'est-ce que tu appelles par paramétré? Parce que là, pour là tu peux commencer à bosser sur ta page vierge. Tout c'est est ça. Bien. Ok, super. Donc là, je viens sur page. Voilà, je viens sur page. Je commence à rajouter une page. Et là, je saisis un titre. Alors là, j'ai même plus besoin à parler. Hein, accueil. Voilà, l'accueil. Et je clique sur le petit bouton modifier avec Elementor qui se trouve en haut. Voilà, j'attends un petit peu. Et là, je rentre dans le constructeur de Elementor. Donc là, c'est... Alors, il y a WordPress hein, qui est toujours derrière. Hein, il est là en train de rien faire. Et il laisse la main à Elementor pour pouvoir modifier le site. Voilà. C'est très important. J'ai oublié en parlant. Vous voyez, hein, comme quoi, hein, parler, ce n'est pas forcément super bien tout le temps. Donc, je reviens encore de nouveau au début. Et je vais installer le thème que Elementor travaille par défaut. C'est le thème Hello. Il est gratuit. Donc, je vais sur thème, ajouter,
Donc le même principe hein, que les extensions, hein, je vais dans apparence, je clique sur ajouter, je vais le chercher, d'ailleurs vous le voyez, il est déjà en deuxième position. Le 2021, celui qui est en tout premier en haut à gauche, c'est celui qui est par défaut sur WordPress. Hello, c'est celui qui est par défaut pour Elementor. Donc même chose, j'installe, j'attends un peu, ça mouline et après je clique sur activer. Voilà. Donc le thème, en fait, ça va te donner une image de fond, ça va donner des couleurs, tout ça sur ton site, c'est ça? En fait, c'est, une structure. C'est le thème qui est officiel d'Elementor. Ça veut dire que quand tu fais toutes les choses sur Elementor, elles sont basées sur Hello. Tu es obligé d'utiliser le thème Hello pour Elementor. Et toutes les extensions que tu vas trouver, parce qu'il existe encore des milliards hein, d'extensions autour, notamment par exemple, je sais pas, vous voyez les tableaux comparatifs des prix par exemple. Ça, c'est une extension supplémentaire que l'on peut avoir sur Elementor. Et ça, il est calé sur, sur l'apparence Hello. Et si tu n'as pas le Hello et que tu es avec un autre thème, c'est foutu. Alors, je ne me rappelle plus pour Divi, parce que ça fait 300 ans que je l'ai au moins... désinstallé. Si tu peux me confirmer que apparence, il faut aussi une apparence spéciale pour Divi ou alors il s'intègre partout? Il s'intègre partout en fait. C'est, partout. Ok, d'accord. Il est construit et différente. Ok. Il ne passe pas sur un thème particulier puisqu'il crée ses propres blocs. Il redéploie derrière du code en fait. Donc voilà. Alors Christine dit qu'elle a Hestia. Hestia, pardon. Ouais. Comme, Hestia, d'accord. Comme. Hestia, d'accord. Bon, je pense que c'est encore autre chose. Bon, allez, page. On revient sur notre page accueil. Et là, on a modifié avec Elementor. Donc, directement, on rentre dans le vif du sujet avec Elementor. Donc, je clique dessus, le constructeur se met en route. Et là, du coup, on voit complètement différent. Donc, ici, on a un titre ben, qu'on a dit, hein, bien sûr, accueil. Bon, généralement, je ne suis jamais friand de titres comme ça. Alors, je vais en bas à gauche, réglages. Donc là, ici, on a plusieurs boutons hein, en bas à gauche. On va les faire un par un. Réglages. Là, ici, je peux masquer le titre et hop. Voilà. Comme ça, je peux m'amuser à faire un site propre avec plusieurs images, etc. Je vais aller plus vite hein, parce que je pense que là, j'ai vraiment grillé mes 10 minutes. Donc, ici, on a réglage, comme je vous ai montré. Donc, on peut voir le titre, l'état, l'image mise en avant. Alors, très important pour le référencement, c'est ici que vous allez mettre votre image pour qu'elle soit tout de suite en première position sur Google si jamais vous êtes référencé dans business, pour les personnes qui ont un business, donc My Business. Ensuite, on est sur le navigateur. Alors, le navigateur, vous allez voir, c'est super sympa puisque on peut naviguer dans tout le site. Donc, imaginons que ma page, elle fait 3 mètres de long. Ben, ici, on peut directement aller sur l'élément que l'on a besoin. Ensuite, on a l'historique. Donc, imaginez, oups, mince, c'était mieux l'avant-dernière. Ben, on peut remonter au fur et à mesure notre modification. Donc là, c'est vraiment super simple. Il faut savoir que sur les mentors, oui, voilà. Tu peux choisir l'historique, tu peux choisir la version 3 il te remet la version 3 en fait. Et c'est vraiment super sympa. Moi j'adore cette option, ça peut sauver des vies. Et mode responsive aujourd'hui, vous le savez tous, on doit faire un site internet notamment sur un ordinateur, sur une tablette, mais aussi sur un smartphone. Et pour voir ça en temps réel, donc on clique sur cette petite icône en bas, mode responsive, et en haut, on a la possibilité soit de le voir sur un bureau, soit sur une tablette, ou soit sur un smartphone. Comme ça, on le voit directement si oui ou non, on peut basculer notre site directement et dire « Ah, c'est bon, ça fonctionne. » Alors, attention aussi, je pense que Nico va peut-être me confirmer, généralement, ce que l'on voit sur l'écran n'est peut-être pas forcément la même chose que si on regarde sur un téléphone portable. Donc, quand même... Il y a quelques petites différences, mais ça reste quand même relativement proche. Voilà. Il faut pas oublier que le choix qui est fait, c'est aussi la taille de l'écran du smartphone. Donc là, c'est typiquement, ta taille, elle doit être peut-être pour un iPhone 360. 12, par exemple, ou un Galaxy S9. Et puis en fait, toi, tu n'es ni l'un ni l'autre, tu es sur un autre truc et ton écran, il est un peu plus petit. Ben, du coup, ça ne va être pas tout à fait de la même chose. Ben, tu ne vas pas le voir de la même manière. Voilà. C'est bien ça.
Donc, ce soir, on va juste regarder pour la partie desktop et on va commencer vraiment dans le vif du sujet. Donc ici, on voit glisser un widget ici. Donc voilà, ici, glisser un widget ici. C'est quoi le widget? C'est tout ce que vous voyez sur le côté gauche. Donc là, ici, par exemple, je veux rentrer un titre. Voilà, ici, je viens ici, je le balance et je mets un titre. Alors, venez nombreux pour cette formation. Alors attention, il n'y aura pas forcément grand-chose au niveau design ce soir, mais vraiment pour montrer comment on peut pêcher, bien sûr. Hein. Je ne vais pas vous donner le poisson, mais comment on peut pêcher. Donc voilà, ici je peux modifier un peu comme sur Word ou un traitement de texte, au milieu, à gauche, sur la droite ou justifié. Donc là, on va le laisser centré. On peut ensuite, après, choisir le style. Oui, parce que le bleu comme ça, ce n'est pas forcément super magnifique. Mais on peut choisir soit des couleurs par défaut, que l'on peut aussi paramétrer, je ne vais pas le dire ce soir, on peut choisir une palette de couleurs. Donc là, vraiment, on peut vraiment s'éclater comme on veut sur ce type de renseignements. Ensuite, moi, ce que j'aimerais bien, c'est rajouter, par exemple, une image. Voilà. Donc là, ici, je viens ici, je vais chercher une image. Alors, chercher une image, voilà, je choisis une image. Sélectionner des fichiers. Alors là, je n'ai pas forcément grand-chose en image. Je vais en télécharger une vite fait. Allez, qu'est-ce qu'on avait ? On avait une formation. Voilà, formation, image. Voilà, donc je vais prendre ça. Tiens, profite-en pour filtrer avec les droits. Tu as la possibilité de filtrer. Ouais, ici, tu peux filtrer avec les... Ici, est-ce que c'est des droits ou pas ? Ouais, c'est ça. Creative Commons, normalement, c'est ça ? Voilà, ouais. Comme ça tu peux l'utiliser sans que ça pose problème. Bon, et alors, bizarrement, les images sont beaucoup moins jolies. Il y en a moins nombreux, mais... Bon, allez, ça n'a rien à voir avec la formation, mais je vais quand même la télécharger. Voilà, hop. Sélectionner les fichiers. Donc voilà. Après, voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le rajouter par la suite. Moi, je peux vous faire une sélection de sites qui existent en images que vous pouvez balancer à tout le monde. Ça peut être aussi super sympa pour les gens. Et c'est totalement gratuit. Ouais. Oui. Voilà, donc j'ai une superbe image ici. Waouh, génial. Chose que l'on peut faire, on peut faire aussi un fond. Donc, c'est-à-dire cette image-là, elle est comme ça. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire un petit fond, vert, bon, c'est moche, hein, mais c'est vraiment pour vous dire ce que l'on peut faire. Un orange plutôt, ce sera peut-être plus joli. Allez, go pour l'orange. Tu peux même choisir la couleur du... normalement, tu as la pipette en haut à... Ouais. Allez, tu peux choisir le même orange. Hop. Ouais, tout à fait. Voilà. Et puis, comme moi, j'aime bien tout ce qui est arrondi, je reviens sur la photo et puis je lui dis, allez, arrondis-toi à 50. Voilà. Comme ça, c'est peut-être un poil plus beau. Je viens ici. Et puis aussi, je mets un petit espace en haut à droite, en haut et en bas. Voilà. Voilà. Comme ça, ça peut être sympa. Alors, dans la version gratuite, il y a aussi la possibilité de faire des bordures. Plutôt la forme de séparation, donc le haut, alors vous allez voir, hein, c'est super sympa. Attention, hein, c'est très. Voilà. Hop. Voilà, on peut faire de ce genre de choses. Des petites courbes bien sympas. Alors, hop, aussi la même chose, vous voyez. Donc, déjà, ça peut agrémenter quand même pas mal. Donc, le haut. Ouais. Comme le bas. Ça arrive Voilà, ça peut être bien sympa. Ouais, c'est cool. Après, c'est libre expression des personnes qui veulent faire quoi que ce soit. Enfin bon, bref, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, je pense qu'on a compris. Maintenant, je veux voir. Ça fait une page. Tu as une idée de bonne structure d'un site web ? Ce serait quoi une bonne structure ? Une bonne architecture d'un site web ? Alors, on a forcément un menu tout en haut. Donc là, je peux vous montrer à quoi ça ressemble, mais on a un menu qui est en haut. Ensuite, on a une image, généralement, hein, on a toujours une image de qu'est-ce que représente la société. Donc, d'un seul coup d'œil, on doit voir. Donc là, effectivement, bouge ta formation avec un élévateur, ce n'est pas forcément super parlant. Mais par exemple, si là, je vois ce site Internet, c'est plutôt bouge ta palette.
Ça, c'est ça. Donc, c'est soit une formation sur les chariots élévateurs, soit la vente, peut-être, ou soit la sécurité, parce que voilà, enfin bon, bref, c'est l'image qui doit être perçue. Et en dessous, tout de suite, soit un call to action, c'est-à-dire vraiment ramener la personne à être très. Comment on appelle ? Ça y est, je commence à perdre les mots. À ramener les personnes sur votre site et que votre site soit le plus dynamique possible. Donc, ça veut dire soit il y a une interaction avec une newsletter, soit un formulaire de contact, soit le fait qu'il y ait un calendrier. Ah, voilà, on a des dispositions pour telle ou telle formation. Ou alors, carrément, rentre dans mon système de formation. Donc, ça veut dire avec un seul bouton, on peut rentrer dans une. Dans un programme de formation, chose que je peux vous montrer aussi juste après si vous voulez. Et en dessous, alors soit la présentation de la société, ça peut toujours être sympa. Vous voyez, deux petites. Alors par exemple, pour vous vous présentez tous les deux avec une petite présentation en dessous, hein, bien sûr. Hein, pas, alors surtout pas énormément de texte parce que les gens sont très allergiques là-dessus. Et par contre, Google adore le texte. Hein, pour le SEO, c'est parfait en fait. Si c'est pour ça. Texte, et il faut être très 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 joueur. C'est pour ça que aussi les. J'ai perdu le mot. Ce sont des personnes qui sont toujours dedans en fait. Ils créent des textes justement pour que ce soit de une pas embêtant. J'ai failli dire un autre mot, mais voilà, c'est pas embêtant. Très court. Et surtout, rentrer dans les mots-clés qu'il faut. Donc, vraiment rentrer en caractère gras. Je n'ai plus le nom de ces personnes-là. Je sais qu'il y a Booking dedans. Enfin, bon, bref, c'est vraiment une profession aujourd'hui à part entière et qui sont vraiment toujours en actualité avec Google et regarder les défauts, l'algorithme aussi de Google, parce que l'algorithme change vraiment. Régulièrement. Le SEO, mais c'est les SEO managers ou. T'as le SEO aussi pour le payant. Mais c'est des. Ouais, je vois ce que tu veux dire en fait. Il y a des spécialistes du référencement en fait. Alors, référencement, mais aussi surtout de l'écriture. L'écriture de texte. Ah, copywriting. Copywriting. Tiens, merci beaucoup, Christine. Merci. D'ailleurs, on a fait un super live avec un copywriter la dernière fois, c'était avec Pascal Jett, un Canadien avec qui on s'est formé au copywriting pour justement amener les bons mots sur le site web pour toucher les bonnes personnes en fait. C'est ça. Et c'est un vrai métier, hein, c'est un vrai challenge. Oui. Très complexe, mais, mais utile. Oui. Alors je termine encore ma page. En dessous, si vous voulez vraiment que votre site est très vivant, on a deux choses. Soit vous mettez les derniers articles de votre blog, de vos nouveautés, ou alors aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, c'est le contenu de votre page Facebook ou Instagram ou n'importe, qui est sans arrêt mis à jour. Alors ça, par contre, c'est un vrai faux ami du SEO. Puisque le SEO ignore complètement cette petite bulle. Mais c'est toujours sympa pour vos futurs clients à voir ça. Ah, waouh, ils sont toujours à la page et tout, ils sont toujours là. Waouh, ils ont fait un dernier article hier, c'est cool. Ok, c'est bon, c'est un site sérieux, blabla. Enfin, bon, bref. Après, je ne vais pas m'éterniser dessus. Dynamique. C'est ça. Et à la fin, en fait, on a le pied de page. Voilà. Et je vais m'arrêter là pour la structure de la page, d'une page Internet. Après, pour le site, pour créer le site, après, on a besoin du RGPD, donc de s'assurer qu'il y a le consentement pour les cookies, la politique aussi, si on fait de la vente, avoir les conditions générales de vente. Pour le site web, on doit avoir les conditions ou les conditions d'usage, donc les CGU. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme obligation en France après c'est aussi si on fait un site web qui est accessible aux États-Unis, il faut respecter les normes, ça doit être le CCA et puis le truc de Californie, là il y a une loi spécifique à la Californie sur pareil le traitement des données de manière générale.
Et résultat, bah, tu te retrouves à, si tu suis toutes les recommandations, tu as plein de pop-up qui arrivent sur le site qui te dit vous autorisez les cookies, les machins, les trucs. Et puis en fait, quand tu as fini, bah, c'est comme un jeu. En fait, c'est un peu comme si tu avais cliqué 12 fois pour dire oui, oui, je suis d'accord, je voudrais l'info, donnez-moi l'info en fait, que je suis venu chercher. Le genre de choses qui énervent déjà avant de ouais, avant d'y aller. Ouais. Et les gens ne restent que 8 secondes en moyenne. Entre 8 et 10 secondes en moyenne sur un site internet. Donc vraiment, il faut vraiment aller à l'essentiel. Et c'est vrai que ce genre d'informations comme les cookies, etc., c'est vrai que c'est très pénalisant aujourd'hui à la navigation. Ouais. Mais malheureusement, ouais. On est obligé de s'y pencher. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais une petite question pour toi, bien Sam. Sûr. Est-ce que tu pourras nous donner peut-être le lien, si tu as le lien, pour télécharger en fait justement WordPress directement sur ton PC ? Bien sûr. Le lien ou la manipulation ou... Ok. Tu peux nous faire un copier-coller dans le chat, puis on va le remettre. Ah ok, d'accord, ok. Ça marche. Ok. Alors, wordpress.org. Comme ça évite aux personnes d'aller chercher. De gagner un petit peu de temps sur le truc. Et puis télécharger le bon lien aussi, parce que des fois. Alors, du coup, une fois que vous avez téléchargé WordPress, c'est à l'intérieur que vous allez chercher Elementor. Donc, à partir de là, vous rentrez dans les extensions. Ouais. Et c'est là où vous. Vraiment... Alors, on peut passer des nuits entières. Bricoler. L'émulateur, ton émulateur, c'est pareil, c'est au même endroit. Ah, pardon. Pardon, autant pour moi, je l'avais oublié celui-là. Il est tellement discret en fait, hein. Je l'ouvre qu'une seule fois et après je ne le vois plus. Il risque d'être fâché si... voilà, c'est bon, je te l'ai envoyé. Enfin, je vous l'ai envoyé. Super, parfait. Donc vous voyez, dans le constructeur élémentaire, on peut vraiment s'amuser à rajouter ce que l'on veut. Voilà, donc ici... j'ai mis Google Maps, j'ai mis une vidéo. Je peux mettre aussi un bouton. Alors, je peux vraiment m'amuser à le mettre où je veux. Donc là, par exemple, ici, je viens ici et je peux le mettre là. Voilà. Alors, effectivement, les boutons sont très moches par défaut, mais on peut les pimper, hein, bien sûr. On peut les pimper. Voilà, là, je le mets au milieu. Je fais la rayon de bordure à 20. Donc déjà, il est un peu plus familial. Je peux changer aussi l'écriture. Alors, par défaut, c'est en roboto. Moi, je kiffe en ce moment une police qui devient de plus en plus sympa. C'est Montserrat. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle est grande, elle est espacée, elle est bien libre, elle est bien sympa. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour construire un site internet. Alors, effectivement, hein, c'est super moche hein, ce que je viens de faire, mais c'est vraiment pour vous montrer comment on construit un site aujourd'hui en espace de... quelques temps. Après, il y a du travail acharné derrière pour aller vraiment dans les petits détails. Est-ce que puis après, tout dépend du besoin. Tout dépend du besoin. C'est vrai que si c'est une vitrine et que tu débutes, c'est très, très bien déjà. Après, il faut déjà se faire la main, il faut tester, il faut aller creuser. Oh oui. Voilà. C'est déjà pas mal du tout. Et c'est important. Après, il y a ceux qui sont passionnés, ils vont aller chercher plein de trucs. Et puis au pire, ils peuvent aller te suivre. Tu donnes pas mal de conseils aussi. Oui. Tu partages quoi alors sur ton site? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ton site? Comme on est dans le thème de la formation et dans le thème surtout de faire un site internet avec justement un portail de formation. Le petit conseil, c'est prenez Tutor LMS. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a quand même une raison pour ça. De une, toutes les fonctionnalités de base sont gratuites. Alors, qu'est-ce que j'appelle par fonctionnalités de base ? Si jamais vous voulez le voir, je peux le montrer vite fait, très très vite. C'est quoi ? C'est tout simplement, vous mettez votre contenu de cours, vous mettez soit des vidéos, soit des photos avec du texte éventuellement, et même vous pouvez rajouter des PDF en pièce jointe. Et chaque client, enfin, ou chaque élève que vous allez recevoir, bien sûr, vous pouvez faire payer vos cours, hein, bien sûr.
Là, je mets en mode gratuit, mais vous pouvez également faire payer vos cours alors par carte de crédit ou alors par PayPal. Ou vraiment, aujourd'hui, on peut s'éterniser dessus. Mais comme c'était... Alors, je vais mettre juste arrêter parce que je ne voulais pas rentrer dans le... Voilà. Donc, tuteur LMS. Voilà. Donc, c'est vraiment... vous pouvez faire plusieurs cours, vous pouvez faire des leçons à l'intérieur, vous pouvez les bloquer. Alors certaines, vous pouvez les faire gratuits, c'est surtout pour appâter, bien sûr, vos futurs élèves, mais également, il y a un suivi également. Donc, c'est-à-dire, si jamais vous faites un cours, deuxième, troisième, quatrième cours, au bout du quatrième, on peut dire, voilà, ben, l'élève, il a fait 100% du premier chapitre. Voilà, donc c'est vraiment, et c'est vraiment super simple comme interface. Il y en a d'autres, comme LearnDash, que je ne suis pas forcément super fan. Après, il y a des gens qui sont fans. Je ne veux pas me bagarrer avec ces gens-là. D'accord ? C'est juste que je vois comment mes clients sont sensibles avec Tutor LMS. Oui. Voilà. Ils sont super, je veux dire, ils sont super à l'aise dessus parce que voilà, tout est beau, tout est arrondi, tout est simple. On a juste à cliquer. Vous voyez, ici, je veux rajouter un cours, je clique sur plus. Je choisis mon nouveau cours, donc comment faire une formation en ligne, voilà, par exemple. Ici, vous mettez votre texte, je vais aller très vite. Hein. Alors, vous savez quoi ? Bon, puisqu'on a vraiment extrêmement dépassé, je vais faire que du copier-coller, bien sûr. Extrait, voilà. Ici, j'ai mon nouveau sujet. Donc là, le sujet, donc on a le titre du cours et après, on a forcément tous les sujets qui sont à l'intérieur. Les sujets, c'est un peu les chapitres, pardon. Là, donc là, je vais mettre par exemple introduction. Introduction, merci le correcteur. Ajouter un sujet. Je vais faire encore un autre sujet. Je vais faire les cours, voilà. Et puis ensuite, je vais mettre les élèves. Les élèves, puisqu'on parle bien sûr, la thématique, c'est la formation. Et dans chaque... il ne m'a pas pris. Ah, peut-être parce que ça... Ok, bon, c'est pas grave. Et dans chaque chapitre, vous avez des leçons. Donc, je clique sur leçons. Vous voyez quand même, c'est super simple. Enfin, je veux dire, maintenant, si vous n'arrivez pas, il n'y a aucun souci. Je pense que vous pouvez regarder un petit peu, 10 minutes, et après, c'est bon, vous avez maîtrisé le sujet. Mais l'interface est belle, elle est très simple, elle est très accueillante, et elle est gratuite. Surtout, elle est gratuite. LearnDash, vous commencez avec 149 €. Juste pour info. Enfin voilà, c'est pas les 149 € qui font que, mais bon, vous pouvez tester gratuitement. Donc ici, j'ai une question. Si tu connais bien le tuto là. LMS. LMS. On peut récupérer les connexions, tu sais, parce que souvent dans la partie administrative, les gens nous demandent des preuves comme quoi les élèves ont suivi le cours. Oui. Oui. Et donc souvent ils nous demandent le temps, combien de temps ils ont suivi le cours, combien de temps ils sont connectés, à quel moment, un peu des statistiques comme ça est-ce qu'on peut les récupérer ou pas pour un élève. On peut les récupérer. Oui, on peut les récupérer et tu peux même générer des certificats. Ici, bon, je ne l'ai pas activé, je ne l'ai pas du tout activé, mais ici, tu vois en haut, on peut activer le fait que chaque personne qui s'inscrit dans ta base de données sur WordPress devient automatiquement un élève ou un apprenant ou même un prof, parce qu'après, on a différents types de niveaux. Pardon. Et là, donc, une fois qu'on a activé, les gens sont obligés de créer un compte sur ton site et à partir de là, tu vois leur progression, tu vois ce qu'ils ont fait, tu vois leurs statistiques de leur cours, en fait, tout simplement. Voilà. Et tu peux les exporter, bien sûr. Bon, là, ce n'est pas le cas, puisqu'il n'y a rien, c'est un tout nouveau site. Mais c'est faisable. Bon, voilà, un dernier conseil pour la route. un conseil pour nous donner... Ouais. Ah. Faites attention sur la route. Pour conduire, il faut choisir. Pour faire un beau site web efficace, tu auras un dernier conseil à nous donner pour les peut-être formateurs. Sur les couleurs. Peut-être sur les couleurs. Si là, on a vu voilà du orange, du rose. Alors, je vais être peut-être plus basique que vous, encore plus basique, encore d'un niveau encore plus bas. Et chose que beaucoup de gens ignorent totalement, ou alors
c'est pas qu'ils ne le font pas exprès, c'est juste que quand on a une société, on veut vraiment tout montrer, mais vraiment tout, absolument tout. Ouais. Et c'est la plus grosse faute que j'ai vue sur tous les sites internet que j'ai vus jusqu'à aujourd'hui. Allez à l'essentiel. Faites un schéma de votre site sur papier. Vraiment, c'est vraiment très important. Et vraiment, allez vraiment à l'essentiel et maximisez les choses sur la vidéo et sur la photo. C'est bête à dire, mais aujourd'hui, les gens ont de moins en moins le temps. Vous le savez, je pense que ceux qui regardent aussi le savent. Ils n'ont pas assez de temps dans leur vie. Il leur faudrait des fois des journées de 72 heures. Et quand on rentre sur un site où on n'a pas forcément besoin, alors du coup, on va vraiment à l'essentiel. Et puis quand on voit qu'il y a 5000 vraiment pages, on n'a plus envie. Donc, allez vraiment à l'essentiel, quitte à même faire un site sur une seule page et vraiment mettre l'essentiel et jouer beaucoup sur les mots, sur les étiquettes, sur les mots-clés de votre site internet. Donc, si vous vendez, par exemple, des ananas, je dis ça comme ça, dites vraiment toutes les variétés qui existent des ananas. Parlez que de ça, mais ne parlez pas de la tomate ou ne parlez pas de voiture, ne parlez pas de... Alors, vous allez dire, c'est normal, mais Sam, tu es en train de me dire quelque chose qui est totalement basique. Mm-hmm. Oui, mais il y en a beaucoup dans le SEO pour essayer de gruger Google, commencent à faire plein de mots-clés et au final, ils sont pénalisés et ils ne seront jamais sur Google. Voilà, c'est trop de mots-clés que je tenais à dire. Mm. Eh bien, super. Merci beaucoup, Sam. Je branche la clé, je la dépose. j'ai arrêté le partage. Tu partages d'écran. Ouais, parce que là on arrive au bout. Merci Sam. Merci pour tout ce que tu nous as donné. C'était riche. C'est top. Génial. Ceux qui nous regardent encore là, dites-nous ce que vous retenez. Mettez un petit mot ou deux pour Sam pour le remercier. Je vous ai mis le lien pour suivre l'actualité de Sam. Donc c'est sa page Facebook. Mister Sam Form. On le retrouve aussi sur YouTube, hein. Tu as une chaîne YouTube aussi. Ouais, tout à fait. C'est ça, qui reprend le 2 novembre, là, dans quelques jours. Et ouais. Bah, super. Donc ça, c'est pour suivre ton actu. Tu peux m'envoyer le lien, si tu l'as sous la main, là, de ta chaîne, que je puisse la partager avec l'audience. Oui, bien sûr. Et nous, pendant que tu fais ça, nous, on parle de la prochaine fois qu'on se voit, le prochain live interview qu'on fait. On va aller carrément dans un autre registre pour les formateurs indépendants, puisque là, on va recevoir Anne-Claire Quantique. Et le sujet qu'elle va nous partager et qu'on va aller creuser, c'est comment ne plus se sentir seul quand on est un entrepreneur ou un formateur indépendant. Donc, un vaste sujet. On sait qu'on a toujours ce sentiment d'être un peu tout seul. Oui, même si elle a porté sa croix. Et donc, du coup, on va aller creuser ce sujet-là avec Anne-Claire, qui est une coach en conscience. Et elle travaille d'une façon dite holistique. Alors, tous ces gros mots d'un coup, c'est difficile. Je me suis dit, il ne l'a pas mis en commentaire, peut-être Sam. Sam, il s'est fait un petit... Non, je répondais à Zabou qui disait merci, mais de rien. Merci d'être passé. Merci d'être venu, de nous avoir regardé. Merci. Et on va faire un lien sur les différents réseaux sur lesquels on stream. Là, on va donner le lien de la chaîne aussi de Sam. Ouais. Suivez son actu, c'est super intéressant ce qu'il fait. Ouais. Merci beaucoup. Et à bientôt. Et à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.